Thierry, il doit y avoir un double sentiment de ta part à l'arrivée de cette épreuve. Oui, c'est un super cheval et puis là il commence à faire plus frais. Cet été il avait du mal quand même. Et là au travail il revenait, il était bien quoi. Je le sentais bien. Ouais, et puis il a fallu quand même tenir en respect Ulan Duval qui n'est pas le premier venu. Hein. Ouais, oui. Bah, il a tenté de s'échapper un petit peu dans le dernier tournant, c'est ce qui a permis de gagner, je pense. Quand t'as eu Prince, il venait presque pour être deux, non? Bah ouais, je sais pas trop, il a dû tomber juste pour finir, mais il aurait été avec eux, je pense. Ouais. Le meeting d'hiver s'annonce bien pour toi? Bon, rapide, il a un bon meeting à faire, mais ouais. Les autres, ben, on verra selon leur forme. Merci. Damien, est-ce que c'est un maximum de plaisir quand on est au sulky de Rapide du Dijon? Bah oui, parce qu'il m'a apporté beaucoup de joie et de victoire, ce cheval-là. En un an, il a dû prendre 400 000 euros, donc c'est des chevaux extraordinaires, durs. Et là, ouais, justement, il est allé devant. À ce niveau-là, ça doit être quand même un drôle de plaisir, non, de contrer des bons chevaux. Bah, quand vous courez des belles courses comme ça, c'est déjà un plaisir, mais quand ils peuvent aller devant, ils sont durs, c'est encore mieux. La suite de son programme, attelé monté, il sait tout faire. Bah ouais, c'est un cheval qui arrive bien à chaque coup, l'hiver arrive. C'est pas trop un cheval d'été. Mais là, je pense qu'il va refaire un bon meeting comme il fait là, attelé monté. Cédric, bonne rentrée du Ulan Duval. Ouais, le cheval court très bien. Les sensations, Sulky, il t'a plu aujourd'hui, il marche 12-8, c'est beau. Ouais, je pensais pas qu'il allait être assez prêt pour marcher ce train-là. Entrée ligne droite, il a su remettre un coup de rein, c'est ça qui m'a bien plu parce que bon, on a été quand même régulier tout le parcours. Et... Non, je pensais pas qu'il était si près que ça. Est-ce que pour toi, l'objectif c'est clair, c'est le prix d'Amérique cette année. Est-ce que pour toi, le programme est déjà établi? Bah, plus ou moins, oui, on va enchaîner là sur les baies et puis on va voir un peu comment que ça va se présenter, mais le cheval, c'est son objectif. Oui. Mis à part le prix d'Amérique avant, est-ce qu'il sera suivi dans une course en particulier? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit avoir un programme, il a des mauvaises courses de temps en temps. Oui et non, c'est sûr que les B où il part en tête, il va partir en tête parce qu'il n'a pas un million, donc c'est des bons engagements pour nous, ça c'est sûr. Mais bon, ça reste quand même le dernier dimanche de janvier, le grand objectif. Robert, you're third with Caletti. Are you satisfied? Yeah, actually I ordered because last winter he was here, he would do 4 or 5 races, it was terrible, and now he do good races in France, that is lucky. I think good for him to take a new step in the career, to race Little Vincennes and do good results for the next year. Yeah, and you have a good race today. He was third but beaten by 2 good horses. Yeah, absolutely. They must be really good because he was 20 meters before me. So, but I'm happy. He feel good and do a good race. So we can stay here and give him race this winter. What's your plan with him? I have no plan for the moment. We'll see. But I hope we can race him in some. What can I do? I'm addicted to you, to you, to you. Oh. Addicted to you, to you. I don't know just how it happened. I let down my guard.